À Noël, il faut que tu sois parfaitement préparé. Boum ! J'espère que c'était un pétard festif. Sonne l'alarme ! On est le 25 décembre, mais on n'est pas totalement prête à 100%. On va te dire comment préparer ta fête de Noël à la dernière minute. Tu peux pas fêter Noël sans avoir une table raffinée. Tu auras besoin d'une nappe en plastique et d'assiettes jetables. Étale la nappe sur une surface plane. Place les assiettes dessus. Colle des morceaux de scotch double face en dessous. Fixe les assiettes sur la nappe. Plie la nappe. Il est quelle heure? C'est l'heure de dresser la table. Étale la nappe que tu as préparée à l'avance. Wouh! C'est la magie de Noël! Maintenant, dispose de délicieux plats dans les assiettes. C'est simple et efficace! Combien de temps tu passes à démêler les guirlandes de Noël? Arrête de perdre ton temps! Prends un bocal avec un couvercle. Mets soigneusement les guirlandes dedans. Vas-y, couche par couche. Colle le bout de la guirlande dans le couvercle. Ce sapin de Noël est trop beau, mais il manque un peu de déco. Ouvre le bocal, décore les branches avec la guirlande et cache le couvercle derrière le sapin. Génial! Maintenant, t'as plus à t'embêter à démêler les guirlandes. Et maintenant, prends des décorations pour sapin de Noël et un rouleau de corde colorée. Enfile les décorations sur la corde. Fixe-les avec de la colle chaude. Place les décorations à égale distance les unes des autres. Plus tu mets de déco, plus ta déco finale sera belle. Accroche la corde dans le sapin. Et maintenant, tout est prêt pour la fête. Accroche toutes les décorations en même temps. Mais on peut faire ça au moins? Tu nous remercieras plus tard. Le réveillon de Nouvel An sans ruban? Pas avec moi. Déroule une bobine de ruban de Noël. Fixe un morceau de scotch double face au bout du ruban. Scotche le ruban sur la porte. Une bande à la verticale, l'autre à l'horizontale, et scotche un nœud brillant à l'intersection. Quel joli cadeau! Ouvre la porte! On passe une soirée de Noël de dingue ici! Tu savais que le sapin de Noël, c'était pas la seule chose que tu pouvais décorer? Une barbe épaisse, des petites boules de Noël? Tu vois où on veut en venir? Attache-les à la barbe. Une boule, une autre, une de plus. Prends cette canne à sucre. Waouh, qui est ce beau jeune homme? Très bientôt, tous les salons de coiffure de la ville vont proposer un nouveau service. Une barbe de Noël, pour les hommes les plus virils. Attache simplement des épingles à cheveux aux boules à la place des cordons. Ces boules brillantes se fixent facilement dans la barbe et créent un look incroyablement festif. Père Noël, c'est toi? T'aimerais quoi pour Noël? Je veux un derrière comme celui de Kim. Tu l'as voulu, tu l'auras! Gonfle deux ballons. Fais une coiffure comme celle-ci. Scotche les ballons sur tes fesses. Utilise du ruban large. Enfile la robe la plus glamour que tu aies. Et prends un million de photos avec la star. Tu lui ressembles trop? Oh, ta tenue est pas très festive. Heureusement, j'ai un costume spécial pour toi. Pour cette idée, tu auras besoin d'un vieux sweat ordinaire. Ou une chaussette de Noël dessus. Ou des cloches et des boules de Noël dessus. Tu as maintenant un sweat de Noël avec une poche secrète pour mettre une bouteille. Ça te va trop bien! Tiens, prends ce petit plus! Mets une bouteille dans la poche et insère une paille.
Maintenant, tu peux boire en continuant de danser et de t'amuser à la fête. Excellente idée! C'est une coïncidence si la bouteille rentre parfaitement dans la chaussette? Je crois pas! C'est bientôt Noël, mais on n'a même pas de sapin! C'est pas grave! Au moins, on a des guirlandes multicolores et un mur! Fixe des guirlandes sous forme de sapin de Noël sur le mur. Décore-les avec des boules de Noël et des nœuds. Oh, le résultat est super! Un selfie? Un selfie sous le sapin de Noël! Même si c'est pas un vrai! Au moins, il reste un sapin de plus en vie dans les bois. Pour l'idée suivante, prends une barre de Milky Way et des bâtons à café. Dessine la tête et les bois d'insert sur un morceau de carton. Découpe-les. Assemble-les. Déballe la barre de chocolat et fais une entaille. Insère le cerf dedans. Peins les bouts des bâtonnets en marron. Et mets-les sous la barre. Ce cerf est tellement festif! Et en plus, il n'y a pas de calories! L'essentiel, c'est d'y croire, tu te rappelles? Et maintenant, prends un Kit Kat et quelques cannes à sucre. Colle-les sur la barre de chocolat. Et maintenant, ce chocolat ordinaire s'est transformé en une déco de Noël. Noël, c'est une période où on mange plein de bonbons. Alors, c'est pas l'heure de renoncer aux friandises. Surtout quand elles sont habillées avec des costumes de Noël. Comme c'est bon! Et pour cet autre dessert, prends un bol et un verre. Colle du scotch double face sous le verre. Scotche-le au fond du bol. Remplis le verre de Nutella et mets des biscuits autour. Trempe les cookies dans la pâte à tartiner. C'est délicieux! Et cette fois, tu auras besoin d'un moule à gâteau et de décorations de Noël. Mets les boules de Noël à l'intérieur. Remplis le moule d'eau. Mets-le au congélateur. Sors ton gâteau glacé. Pose-le sur une assiette et insère une bouteille dans le trou au milieu. Au final, on a une couronne de Noël hyper originale qui garde les bouteilles au frais. C'est simple et hyper beau! Un menu du McDo, c'est juste trop bon! Joyeux Noël, c'est pour toi! C'est tellement inattendu et sympa de sa part! Oh, et j'ai complètement oublié son cadeau! Oh, c'est un aigle à tête blanche derrière toi? Non? Oh bon, tiens, au fait, c'est ton cadeau! Tu peux faire un cadeau rapide à partir d'un sachet de McDonald's en prenant une boule de Noël et une paire de pinces à linge. Colle la boule au milieu pour faire un nez. Dessine des yeux. Emballe des frites et ferme le sac avec les pinces pour faire des bois. Quel beau petit cerf! Et y a quoi dans le sachet? Des frites? Mais comment t'as su exactement ce que je voulais? T'es une vraie pâte, toi! Tu peux pas juste couper des fruits sans éclabousser ta tenue pour les fêtes avec du jus. Mais en fait, si, y a une solution! Tiens, prends cet impair! Le fruit est tranché et ta tenue est restée propre. Et l'impair alors? Il sera à nouveau propre dans une seconde. Cette année, le sapin de Noël était particulièrement beau. On doit le garder. Enveloppe le bel arbre avec du film plastique. Et range-le dans la réserve comme ça. Et l'année prochaine, t'auras une chose en moins à t'occuper. T'as aimé nos astuces pour les fêtes? Laquelle tu vas utiliser pour fêter Noël? Faire une nappe magique?
transformer une tablette de chocolat en serre ou refroidir une boisson avec une couronne de Noël brillante? Fais-le nous savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle idée pour les vacances d'hiver sur TroomTroom.